リンクスタート。Et voilà les gens, alors nouvelle journée, oui je prends ici parce que c'est vraiment le bordel avec toutes ces valises là blindées. Donc là on est en direction là, du Shinkansen, en tout cas on a déjà pris les tickets. Voilà, pour aller vers Kyoto tout simplement. Voilà, on a pris nos petits tickets et là on attend tout simplement notre Shinkansen. Voilà. Le mont Fuji, les gens, on le voit super bien, il est magnifique, regardez-moi ça, on est dans le Shinkansen, on le voit parfaitement, incroyable, c'est un japonais du Shinkansen qui me l'a gentiment dit, il est magnifique. Jamais vu d'aussi près. Voilà, de retour au Blossom Kyoto, on n'en peut plus. C'est toujours la même merde, hein. Je vous dis les gens, j'avais déjà raconté dans mes anecdotes pendant le live et tout, comme quoi c'est la grosse merde. Quand vous devez passer de Tokyo à Kyoto avec les valises pleines de Tokyo forcément, c'est la grosse merde, c'est vraiment le putain de merdier de ces grands morts, hein, y a pas d'autre mot, franchement, hein. T'arrives, t'es explosé, t'es exténué, en plus là, j'ai eu la fâcheuse idée de me dire, vas-y, on va marcher de la gare de Kyoto à l'hôtel, après, voilà, en soi, quand tu regardes le temps qu'il y a, tu te dis, ça va, c'est même pas une quinzaine de minutes, quoi, mais c'est vrai qu'avec tout ça à transporter, même si c'est qu'une quinzaine de minutes à pied, c'est un enfer, voilà, c'est un enfer, c'est trop lourd. Elle pèse 4 tonnes, j'ai une valise de 19 kg et l'autre elle fait 24 kg et quelques, celle-là je sais même pas comment elle fait, le sac à dos. Mais enfin voilà, je suis content qu'on soit arrivé quand même au Blossom Kyoto, on va pouvoir se poser, je sais que c'est super cool ici. Comme dit, on a les boissons et tout là à volonté, on a des petits snacks et tout, on a de quoi se poser quoi. Donc on va bien se poser, on va bien reprendre avant de commencer cette première du coup après-midi à Kyoto, tout simplement. Comme d'habitude, hein, le petit bienvenue au Blossom Kyoto, la petite boisson, à peine arrivée, petit croissant, petit cappuccino là. Et ouais, le croissant il a l'air très bon. Hein. Ah, mais il est déjà coupé, ouais. Voilà, tranquillement, en check-in du coup. Et voilà les gens, on est arrivé à notre hôtel du Blossom Kyoto, enfin dans la chambre du coup. Après un accueil toujours aussi plaisant. On a toujours plein de choses, voilà. On a de quoi se faire du thé. Oh. On a tout le matos pour faire du thé, du café, du machin. On a le mini frigo toujours. Oh, il ressemble à quelque chose pour lui. Voilà, on a le mini frigo. On a le petit coin, canapé, petite table et tout avec la petite vue là sur la ruelle de Kyoto. On a donc la chambre avec les trois lits séparés, la petite télé, le petit endroit clim, la petite poubelle. On a notre ami la salle de bain, voilà, salle de bain avec lavabo, toutes les serviettes, le sèche-cheveux, on a là bien sûr la douche à l'italienne, alors je sais pas si c'est la lumière automatique, là, elle est déjà allumée. Ça c'est le commandement. Ah, voilà. On va rester enfermé dedans. Ouais. Voilà, la douche à l'italienne. Mais attends, mais on peut. Très sympa. Attends, là si je me lave le sgeg, on peut me voir là. Oui, mais oui. C'est pour ça qu'on ferme ici. C'est pour ça que tu fermes. Mais ici par contre on va pas fermer la clé. Oui, parce que donc, j'ai grillé. C'est vraiment, voilà, les mecs quand on se douche, y a pas de voyeurisme s'il vous plaît. Je peux pas me dire ça. On a les chaussons, on a comme d'habitude les trucs pour mettre les vêtements sales, les pyjamas. La ceinture pour fêter ton. Voilà, pyjamas, les petites chaussettes, le petit endroit pour les cintres. Et du coup, alors que. Mais attends, mais t'as fermé. Mais attends, mais. Quoi? J'ai rien fait. Regardez-moi ça, il a réussi à fermer la porte et en même temps c'est fermé de l'intérieur. Oh. Arrêtez, c'est pas ma faute. Je te jure, c'est fermé de l'intérieur. Rudy, il y a que toi qui es. C'est non. Fermé. J'arrivais pas à la fermer à clé depuis tout à l'heure. Bah là, tu l'as fermé là. Et on fait comment? Bah là, il faudrait. Attendez. Un couteau ou un truc comme ça là? Ou une pièce, voilà. Ah voilà, merci, on peut accéder aux toilettes. Voilà, du coup, on vient de sortir donc de l'hôtel du Blossom Kyoto pour aller en direction d'un très bel endroit. Et Raphaël qui en a rien à foutre des feux apparemment, ça y est, on a plus rien à foutre.
Donc du coup on va aller à un très bel endroit qui est tout simplement un des endroits où il y a eu eh bien, des scènes de Carnet sur Salle Quintuplets et pas n'importe laquelle étant donné que ça a été bah, une des scènes les plus importantes avec notre ami Flutalo et il me semble Itsuki si je dis pas de bêtises quand ils étaient plus jeunes et quand ils sont retournés bien plus tard par la suite. Parce que oui vous le savez hein, déjà en mai c'était on va dire une des principales choses qu'il y avait dans mes vidéos c'était vraiment ces petits endroits à Kyoto pour les Quintet Salle Quintuplets. Et bien là c'est encore un peu le cas, on va pas se le cacher. En plus bah, du Fushimi Inari qu'on fera très probablement demain soir du coup. Là on va faire tout simplement cet autre endroit de Quintet Salle Quintuplets qu'on n'avait pas fait en mai. Que donc bah, là on va faire cette fois-ci. Parce qu'au début comme dit je pensais que l'endroit se trouvait au Fushimi alors que pas du tout. Il est aussi près mais quand même bien éloigné du Fushimi. Et donc là on va y aller, on va essayer d'y aller assez vite parce que ça ferme à 18h. Et là normalement vu comme on marche on devrait arriver là-bas vers les 17h10 et quart. Donc il devrait nous rester juste un peu de temps pour pouvoir encore visiter le lieu, admirer la vue etc. Et avec de la chance, vu qu'on y va assez tard, il n'y aura peut-être pas beaucoup de touristes. Je l'espère, parce que habituellement, c'est le genre d'endroit où il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de touristes. Un peu comme le Fushimi, quoi. Enfin bref, je vous reprendrai quand on y sera arrivé, ou alors avant, si jamais il y a quelque chose à vous montrer ou quoi. Hop, donc on va passer le petit pont juste ici. Toujours aussi beau, hein. On se souvient de cet endroit, on l'avait traversé avec mon père quand on était justement allé au Fushimi, parce que c'est par là qu'il faut passer pour aller au Fushimi. Toujours aussi bon, hein. Aussi beau ce petit pont là, avec la rivière là qui passe, les gens qui font leur petit sport, qui se posent, etc. Et la vue derrière des montagnes et tout, c'est vraiment, c'est très beau. C'est très dépaysant comme disait Rudy, c'est vrai que c'est direct... bien différent de Tokyo sur certains aspects. Mais comme dit, nous, pour aller au Fushimi, on avait pris ce métro là devant. Mais là, on va pas le prendre du coup. On va continuer de marcher à pied pour aller jusqu'à ce fameux endroit des quintuplés. Donc on va passer par là. Et on va traverser là-bas. Mais voilà, je voulais quand même vous refilmer à nouveau cette belle petite vue sur le pont qui mérite toujours... Qui mérite toujours d'être montré, voilà, qui fait toujours plaisir à être montré, à être filmé, voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc là on est en train de monter vers le fameux endroit et regardez-moi ça. Regardez-moi les bus remplis de troupeaux de moutons, remplis de troupeaux de vaches. C'est une dinguerie. Et donc ouais, heureusement qu'ils se barrent tous là. Voilà, on y arrive, mais il y a un monde des gens, j'en ai marre. J'en ai ras le cul. Par contre, c'est beau. Mais c'est très beau, ouais. Franchement, voilà, pour un endroit que j'avais pas encore vu à Kyoto, là, c'est un très bel endroit. Et encore, c'est pas vraiment l'endroit en question que je parle depuis avant. L'endroit en question, il est un peu plus loin. Mais rien que l'entrée, c'est très beau. C'est vraiment très très beau. Bon, on continue de monter. Avec tous les Shintok qui se prennent en photo avec des kimonos alors qu'ils n'ont absolument rien à foutre, qui veulent juste leur photo Insta. Nous on continue de monter pour aller vers l'endroit en question des quintessentiels en espérant qu'il n'y aura pas trop de monde et que ça serait que ça sera sympa à voir quoi malgré qu'il y ait beaucoup de monde. Mais c'est vraiment très très beau là. On a encore les pancartes là-bas pour les amoureux et tout. Là, c'est très joli, ouais. C'est vraiment super, super joli. Voilà, donc là, on a une petite vue. Une petite vue sur Kyoto, mais on pourra regarder ça plus tard. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller vers l'endroit dont je parle depuis le début. Là, il y a un peu moins de monde. Il y a un peu moins de monde, donc ça fait plaisir. Mais du coup, pour aller au fameux endroit, il faut payer 500 yens, du coup. Voilà, on a payé le ticket. En vrai, ça va niveau monde, je trouve. Là, ça va un peu mieux, ouais. On a une petite vue. Avec des titans par-ci, par-là, droite et gauche. C'est vraiment beau. Il y a vraiment une petite vue.
Non, non, ça fait parchemin. Thank you very much. Ok. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller. Oui, je vois où tu veux aller. Sur le fameux endroit. Pas la même. Je vois les gens. Ouais, mais bon. C'est pas la même là-bas. Mais bon, c'est déjà cool. Il y a plein de petits trucs, il y a plein de décors. Ouais. Puis il commence à faire vraiment de nuit là, tout doucement. On voit la tour de Kyoto là-bas, magnifique. C'est vraiment. C'est très très beau. Hein. Prendre des petites photos quand même. J'adore. Le ticket est très beau, ouais. J'adore. Ça, c'est le genre de truc que tu gardes vraiment avec toi. Et donc, bon, ben voilà, le fameux endroit de quintessentiel quintuplesse. En fait, c'est cette fameuse plateforme là, un peu pliée en avant, que t'as l'impression qu'elle va se casser la gueule. Mais d'ailleurs, on est aussi sur une plateforme de la même façon. Hein. La plateforme, on voit qu'elle est penchée. Hein. Regardez, les gens, ils sont en diagonale. Non, franchement, tu filmes droit comme ça. Mais là où je suis, ça doit être droit, tu le vois, on le voit exagéré. Ouais, ouais, on voit là que le pont, là, la plateforme, elle est vraiment, elle est comme là-bas, quoi. Ça descend vers l'avant et t'as l'impression vraiment qu'on va se péter la gueule, quoi. C'est pas le moment de lâcher mon téléphone. Mais c'est très beau, là, il y a plein de petits endroits, là. On voit des genres de temples qui ressortent un peu dans la montagne, là, dans la forêt. Et vraiment, la vue sur Kyoto, là-bas, avec le coucher du soleil, les montagnes, c'est très beau, hein. La vue là-bas, elle est vraiment très 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 belle. Hein. Là, c'est... Alors après, où a été pris encore une fois l'emplacement exact de quintessentiel, je sais pas. Mais je sais que c'est sur un de ces pontons là, ici même. Et sûrement là, en direction de là-bas, quoi, je pense, du coup. Mais c'est magnifique en tout cas, hein. Franchement, malgré qu'il y ait du monde, c'est vraiment super beau. Donc les gens, on a regardé vite sur internet et en fait c'est vraiment ici. C'est ici que se trouve Futaru, Itsuki et tout, c'est à cet endroit là. Sauf que du coup le plan il est pris du vide là. Le plan il est pris de là-bas. Et en gros on voit ça et on voit derrière Kyoto en fond. Ouais, mais c'est vraiment ce plan là. Malheureusement je n'ai pas mon drone sur moi. Sinon il n'y a pas 40 000 personnes là-bas. Dehors. Donc ici là où on est, où je pose ma main, bah, c'est l'endroit qui a inspiré l'endroit de Futaru et Itsuki. Où ils prennent la fameuse photo. Et comme dit, nous on est vraiment, je mettrais une image de face de là où on se trouve. Mais on est vraiment sur cette plateforme là hyper penchée. Où t'as vraiment l'impression que ça peut s'effondrer à tout moment. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et comme dit, plus la nuit tombe, plus ça donne un petit côté un peu mystique. Donc ouais je vais prendre l'exemple d'ici. Là franchement tu vois, c'est le plan il est presque pareil. En vrai, tu regardes, tu penches légèrement. Ouais, 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 ok. Bon, il y a juste Rudy qui est là, donc il va falloir... Rudy, c'est un peu Itsuki, hein, mais ouais, c'est le plan comme ça là, dans ce style là en tout cas, avec Kyoto derrière, la petite stèle ici, c'est le plan de Futaru et Itsuki, quoi. La vue elle est magnifique, hein. Je pense qu'on aura le même genre de vue quand on sera au Fushimi demain soir, mais là c'est vrai que c'est incroyable, avec la pandogue là-bas, là, la tour. Regardez-moi ça. Avec le coucher du soleil en plus, c'est vraiment mais super beau. Hein. Certes, il y a du monde, mais je me dis, vas-y, pour le côté vraiment calme, silencieux, naturel, on l'aura, je l'espère, demain soir au Fushimi. Là, vas-y, il y a un peu plus de monde et tout, mais franchement, la vue et tout... Et encore, je trouve ça va. Je sais pas ce que t'en penses, mais par rapport à ce qu'il y avait dans la ruelle là-bas, ce qu'il y a là... Ça, mais les gens commencent à descendre vu qu'il est quand même 20-30. Mais tant mieux qu'ils se barrent. Nous on va bien profiter, on va bien kiffer là, faire des beaux points de vue, des belles photos. Ce qui m'intéresse, c'est toujours, tu sais, quand tu regardes le point par exemple de la montagne, de savoir ce qui se passe et de me retrouver là-bas et de voir, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah comme on avait fait avec la Sea Candle, quoi, qu'on se disait putain on était là-bas au-dessus, on était là-bas au-dessus, à chaque fois se dire... C'est une sorte d'Elden Ring, depuis que j'ai joué à Elden Ring, j'adore ça. Bah faut se dire que nous on était là-bas au pied de la tour de Kyoto, hein, ouais. Où il y a la gare, hein, on était tout là-bas. Hein. Donc, un urbex. Là, je voulais juste écouter les gens. Je voulais juste savourer là le silence. Le timing de merde. Je pense que c'est parce qu'il est 17h31 et peut-être qu'ils disent aux gens de commencer à sortir. Oh, c'était super drôle, putain. Mais. Oh, le mec il dit. Le calme. Putain. En direction de Paris. C'était tellement agréable, c'était tellement silencieux, quoi. Comme par hasard, quand je vais, je dis écoutez les gens, le silence,
le bruit des grillons, des criquets. Le mec il hurle dans le microphone quoi. C'est une dinguerie. C'est n'importe quoi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté les gens. Je vous jure, c'était pas prémédité, hein. C'est pas un montage, c'est rien. Hein. C'est vraiment, je viens de lancer ma caméra, je viens de lancer mon téléphone. En mode écouter le silence, écouter la nature et tout, malgré le monde qu'il y a. Le mec il se met à parler dans le microphone en mode c'est bientôt la fin du parc, machin. Bon bah maintenant. Voilà, vous entendez là tous les grillons et tout. C'est bien, on a encore ce côté un peu estival comme dit. Même si ça s'est quand même un peu plus rafraîchi, il fait super bon, on est encore en t-shirt et tout. Il fait encore super bon, malgré qu'on soit quasiment début novembre, hein, bientôt. Hein. Il fait encore super bon et l'ambiance, elle est folle, quoi. L'ambiance avec le bruit, là, des criquets, des grillons et tout. Nocturne comme ça, un peu mystique. Comme au Fushimi, hein, vraiment... Et là-bas, on était là-bas au-dessus, quoi. Du coup. C'est vraiment, c'est une très bonne soirée, là. Là, pour commencer la première soirée, là, la première sortie, vraiment, là, de Kyoto, là, pour ce mois d'octobre 2024, c'est une très, très bonne sortie, hein. C'est vraiment un très bon endroit. Même s'il y a beaucoup de monde, encore une fois, ça casse un peu le délire, mais vous en faites pas, ce n'est que le début. Comme dit, on a prévu d'aller voir d'autres petits parcs aux alentours, qui vont sûrement être bien plus calmes. Donc on va voir, on va passer dans d'autres petits sanctuaires, d'autres petits parcs, et ça risque d'être bien plus calme qu'ici, je l'espère, mais il y a très forte chance que ce soit bien plus calme, et donc on est vraiment le côté resplendissant, zen de Kyoto, tout simplement, quoi. Mais là, vu qu'on va de nouveau se réenfoncer dans la foule, ben, je vais vous couper ici, et je vous reprendrai plus tard. Mais voilà, je suis content, on sera allé dans cet endroit-là, on aura quand même bien profité, on aura pris des belles photos, on aura vu de belles choses, un beau paysage. L'endroit des quintessences à quintuples, très important là aussi, avec Futalou et tout. Et puis voilà, écoutez, je vous reprendrai par la suite. Alors que là, on a un genre de petit étang là, magnifique aussi, où les gens, ils peuvent prendre de l'eau là. Ils peuvent prendre de l'eau sur les fontaines là qui coulent. C'est très très sympa, vraiment très joli. Par contre, ouais, j'avoue que tu sais, quand t'es passé à côté de trois personnes, c'était des Français. Ils nous ont grave jugé. Parce que t'as encore. Tiens, il y a trop de monde et tout, t'es parti. Et ils nous ont regardé, j'ai fait. Eh ben. Ouais, je m'en bats les couilles. Là, ça y est, là. Voilà, là, on est dans le Kyoto. Là. On a quitté les rues. Écoutez, on n'entend plus rien. Je veux dire, alors que juste à côté, c'est le Bagdad avec tous les touristes. Là, ça y est, on est enfin de retour dans le... Regardez, il y a des petits ponts, là, tu te dis, mais what the fuck, c'est quoi ce petit pont? Limite, je me tape la tête. Ah, il faut que je me baisse, hein, sinon je me tape la tête, hein. Et regardez comme c'est calme, on est vraiment dans les petites ruelles, là, en plein Kyoto. Calme, silencieuse. Et ça, c'est tellement agréable. Bon, apparemment, il y a un peu plus de monde de nouveau là-bas devant, mais... C'est tellement agréable, ce silence... Ce sentiment d'être vraiment parmi les Japonais et seulement avec eux, tu vois, et voilà quoi, la vie à la japonaise, comme voilà quoi. Exactement comme j'étais hier, mais que moi à chaque fois. Regardez là, il y a encore un genre de temple là. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu plus de monde, mais le temple il est quand même plus en retrait du reste. Et donc on dirait qu'il y a un peu moins de monde quand même quoi. Et les gens ils vont pas forcément aller ici, ou du moins les bus là, les troupeaux de vaches ils vont pas venir ici, alors que regardez-moi ça. Regardez la beauté là des rues et tout de la tour. C'est magnifique hein. Avec les bâtiments autour et tout tradis. Non c'est magnifique. Voilà, ça fait plaisir ce genre d'endroit. Bon ben voilà, on arrive donc à ce fameux temple là qui est sur le chemin. Donc comme dit à la base on va vers un book-off et tout. Mais vu qu'il y a des petits temples en chemin qu'on n'a pas fait en mai et tout, ben là je me suis dit on va y passer. Alors il y a un peu de monde, je pensais qu'il y aurait moins de monde que ça vu l'heure. Vu que là il va être 18h et tout, il y a quand même un peu de monde. Mais bon écoutez, c'est pas grave. On a quand même la beauté là du lieu. Avec cette énorme porte en pierre là. C'est ce temple là-bas au fond.
avec toutes ces petites lanternes là, c'est vraiment très beau. C'est vraiment magnifique. On est une photo. Alors on va vite traverser, au moins on est tranquille. Ouais, il est ouvert 24h sur 24 le temps. Pardon. Il est très joli. Oui. Bon, il y a du monde, mais voilà, en même temps, que c'est tellement beau, donc forcément, je pense que les gens... C'est très joli, là, ouais. J'en ai rien à foutre, je passe devant. Waouh, c'est super joli, hein. Regardez-moi ça, là. Il y a une genre de grande scène, là, au centre. Et c'est entouré, là, de temples, de lumière. C'est super beau, franchement. C'est vraiment magnifique. Putain, je vais là où, où j'ai l'impression que c'est un bon endroit. C'est tellement zen ici. C'est toujours hein, quand vous éloignez des sentiers battus, c'est là où c'est plus zen quoi. Comme dit, il y a encore quelques secondes, ben, on était là-bas où il y avait toutes les lanternes et tout, il y avait le grand portique et tout, il y avait encore plein de gens. Et là, regardez, je me suis juste un peu éloigné là dans le parc. Et ça y est. On a à nouveau le calme. Ouais, non, et puis même là, maintenant faut aller vers là-bas, là, sinon on a encore pas mal de temps de marche. Donc, on peut passer dans le parc et tout pour voir les choses, mais bon, faut pas non plus trop qu'on s'attarde. On a le temps, on est en vacances et tout, mais voilà, il y a quand même. Faut quand même qu'on arrive à gérer notre. Notre temps malgré tout quoi, nos horaires, parce que sinon après derrière si on se fait fermer partout et qu'on peut plus rien faire, ça nique aussi un peu la soirée quoi. Voilà, on passe par le parc, mais on peut pas non plus tout faire et tout. Surtout qu'en plus il est ouvert 24 sur 24, donc en vrai, si maintenant il y a quelqu'un qui a envie d'y retourner faire nuit blanche ici, bah, il peut le faire. Bon, enfin voilà, encore une fois, on va se diriger tout doucement vers le Book Off et tout, vers la grosse galerie là de Kyoto. Qui sera un peu plus animé, oui certes, mais bon, on aura quand même notre petit côté zen, tranquille, Kyoto, tradi et tout, avant le Fushimi de demain, quoi. Ouais, voilà, on est sorti donc du Book Off, encore une fois, bah, c'est un échec, voilà, ils ont toujours pas ce que je recherche. J'ai beau leur demander, j'ai beau chercher, à chaque fois, bah non, y a pas, c'est une folie. T'es au Japon et t'arrives pas à trouver le truc que tu peux que trouver au Japon, mais bon, on baisse pas les bras. Il y aura encore un autre Book Off là ce soir qu'on pourra tenter d'aller voir. Mais pour l'instant, on va surtout se diriger vers la fameuse galerie là, énormissime là, en plein Kyoto. Et on va aller voir pour manger. Voilà, on va aller voir pour manger un petit bout là-bas parce que je commence à avoir vraiment faim là. Donc voilà, il est actuellement 18h30 et on s'y dirige tranquillou. Voilà, le petit curry. Je vous dis ça après quand... Chacun a notre curry. On est retourné au même endroit où on était avec mon père et ma soeur, où c'est trop bon. Ils font des currys de malade mental et ils font des desserts de fou furieux aussi. Et c'est vraiment trop bon quoi, donc on va se faire plaisir là, moi je vous le dis. Regardez-moi cette dinguerie les gens. Banane choco et une gaufre. Regardez-moi comme c'est beau avec les petits pokis dedans. Et là-bas pareil, Raphaël qui s'est pris un petit truc, la banane et tout, avec des cornflakes dedans. Et là le petit matcha là, du côté de Rudy. C'est trop stylé. Voilà les gens, il est actuellement 21h. On fait un dernier petit tour dans la galerie du coup. Ben là on est dans la galerie, on a fait un tour au Book Off. J'ai trouvé enfin des items que je cherchais. Et regardez, on est dans la fameuse boutique où ma soeur elle a failli se faire foutre en tôle par un japonais. C'est la fameuse boutique avec l'anecdote que vous avez racontée où elle a failli se faire foutre en tôle. Ou du coup, bah ici. Ah bah ils l'ont retiré. Ou alors ils. Ah non, ils l'ont retiré. Ou alors ils l'ont mis à un autre endroit. Ils ont changé, ils ont un peu modifié les trucs. C'était à la base ici là qu'il y avait la machine à capsules qui lâchait pas les capsules. Et c'est ici que j'avais fait ma machine. Bah voilà, ils l'ont encore. Ils ont encore la machine Tool of Roux avec les différents secrets que tu peux avoir dedans. Et du coup, mais moi comme par hasard, j'avais une Nana débilu qui d'ailleurs est accrochée à mon sac. Mais voilà, on fait donc un tour de la galerie, on regarde un peu ce qu'il y a. Bon, il est 21h, alors les boutiques elles ferment petit à petit. Mais on peut quand même faire un petit tour.
un petit tour, voilà, voir s'il y a des gachas, s'il y a des petites machines à pince, bref. On finit tranquillement la journée. J'ai eu ce que je voulais en grande partie. J'ai fait d'autres petits achats que je vous montrerai juste après, une fois qu'on sera rentré à l'hôtel. Et bah écoutez, voilà, je vais sûrement vous reprendre à l'hôtel ou alors un peu avant quand on y marchera. Et oui, oui, bon, ouais, il y aura des anecdotes à raconter, mais tant mieux, c'est bien. Ouais. Il aime bien créer des anecdotes. Il aime bien créer. Il s'est dit, ma soeur n'est pas là, alors il faut créer des choses. Enfin, voilà, on va encore regarder là parce que j'ai vu une petite machine là qui est sympa juste ici là. Donc, est-ce qu'on l'attend celle-là? Attends, y'a qui? Non, si j'ai le mec, j'ai un somme immense, frérot, si j'ai le mec. Tu veux la tenter? Mais si j'ai le mec, j'ai un somme immense. Vas-y, eh, vas-y, tente. Si tu tentes et que t'as le mec, derrière je mets. Ok? On fait comme ça? C'est 300 yens. Oui. Et tu peux avoir un beau porte-clés. Moi, ça serait la bleue que je voudrais, mais après. Bah, t'as un sac, t'as aucun porte-clés dessus là, ça serait le temps de les accrocher là, comme moi. J'ai aucun porte-clés. Alors, allez, une héroïne. Au moins une héroïne. T'as quand même, t'as seulement deux chances. Oui, mais sur 9 de ne pas l'avoir. Je cite lui dans le. Alors sur 8. Ah oui, t'auras un item avec ton truc. J'ai eu que dalle. Oui, bon, habituellement on a des items quand on achète des trucs en édition limitée. Alors attention, on va voir tout de suite. Est-ce qu'il va avoir le mec, le MC qu'on sent balras parce qu'il n'a aucune libido, ou alors une des meufs qui elle au contraire est chaude aux fesses? C'est bon, c'est l'âge d'avoir. Et attention. Ah, j'ai eu la petite. Ah ben voilà, il a eu une meuf, c'est bon. Il a eu la petite là, la petite sœur. C'est la petite sœur hein. Non, c'est pas. C'est qui? C'est quoi, c'est elle là? Ça je me dis. Non, elle est pas sur l'image, la petite sœur. Ah, elle est pas sur l'image? Non, attends. Mais c'est qui? Ah bah oui, bah c'est peut-être une rare alors. Je sais pas. 8 types. Ah bah oui, 8 types plus une secrète. T'as eu la secrète? Attends. Les mecs, il a littéralement. Mais comme moi, quand j'avais fait tout Love Rouge, j'avais eu Nana Debiluc et c'était la version secrète de Nana Debiluc. Et ben là, pareil, il a eu. Sur les 8, il a eu la version secrète. Regardez, il a eu la petite sœur. Celle-là, elle est pas affichée. Mais voilà, regardez-le. Il pense avoir le mec, finalement, il a eu la secrète. Il a eu la plus rare de toutes. Incroyable. Je vais tester un truc, mais je peux pas. Je vais protester ça, mais c'est de la merde. Ah non, c'est de l'arnaque, je peux te dire. Elle vendeur de tapis. Non, mais hé, t'as pas eu de la chance, non? Si, t'as eu de la chance. Oh, Boshi the Rock. Boshi the Rock, à force. Ouais, voilà. Voilà, comme quoi, il voulait pas tenter, ben il a eu la secrète. Mais exactement comme moi, comme dit, pour tout Love Roux, pareil, j'étais en mode vas-y, j'aimerais bien un personnage que j'aime bien et tout. Et comme par hasard, bah, j'ai eu Nana Debiluc, mon personnage préféré, mais en plus c'était la secrète qui est à poil. Donc je veux dire, là j'étais gagnant quoi. Mais du coup là, on va commencer à aller vers l'hôtel tranquillement. Alors, je pensais que, comme dit, cette galerie est tellement énorme que même nous-mêmes, quand on y allait en mai avec mon père et ma soeur, on n'a même pas fait le quart, je pense. Tellement c'est énorme, il y a des rues partout, il y a des boutiques partout. On n'a même pas fait le quart. Là, je dirais qu'on n'a même pas fait une rue de la galerie. On est littéralement rentré dans la galerie pour aller au Animate. Et une fois sorti de l'Animate, ben là j'ai repris la caméra et du coup on a rien fait du coup. Alors, je pense pas qu'on y retournera demain. On verra peut-être selon comment ça se passe la journée à Nara et compagnie. Parce que oui, on retourne à Nara. Donc, on verra demain comment se passe la journée à Nara et tout. Si jamais, ben, comme dit, on va à Nara la matinée. Donc si jamais on rentre assez tôt de Nara, peut-être qu'on pourra repasser par ici, mais je suis pas sûr parce qu'il y a encore le Fushimi à faire en fin de journée. Il y a d'autres petits endroits qu'on pourra aller voir du côté de la gare de Kyoto, comme le fameux endroit de Futalu et Yotsuba à la gare qu'on n'a pas encore vu, ou encore un autre Animate, etc. Qui est aussi près de la gare. Enfin voilà, on verra encore ce qu'on va faire. Mais voilà, du coup là, on va simplement marcher en direction de notre hôtel. Une petite marche nocturne. Est-ce qu'on a combien de temps de marcher? Ah, je sais pas, on y va au feeling. Je sais qu'on a une, c'est une ligne droite. Voilà, je mets même pas ma carte, mais je sais que c'est une ligne droite. Et normalement, c'est un peu comme avec la gare, c'est-à-dire une quinzaine de minutes, je crois. Et par contre, anecdote vite fait, les Japonais sont trop gentils quand tu perds quelque chose et comment ils t'aident de fou. Ah bah, ils sont tous mis à chercher, hein. Ah là, j'ai jamais vu autant de cartes. Parce que du coup, pour vous expliquer vite fait, mais comme dit, je vous en parlerai plus en détail, sûrement si je fais un live anecdote. Mais en gros, notre ami Rudy a eu
la superbe idée de perdre sa carte, de perdre sa carte bancaire au Japon. Il avait laissé sa carte et du coup bah, tous les Japonais sont mis de la boutique d'Animate. Tous les Japonais sont mis à la rechercher pour la trouver. Et pour l'instant vous ne connaissez pas le fameux d'histoire, mais je vous en parlerai en live. Voilà, voilà, moi je garde un peu de suspense. Mais voilà, du coup on attend que le petit bonhomme y passe au vert et ensuite on ira vers notre hôtel. C'est parti. Ça achète. Voilà, petit 7-Eleven, tranquillou là. Il y a des petits œufs. Il y a des œufs, il y a des petits desserts comme d'habitude, des petits gâteaux, des flans dans, comme dans les hentai, dans les animés. Des petits gâteaux, des nouilles. Comment tous les gens qui sont fans de flan. Voilà, du surgelé, des spaghettis bolognaise. Bon, allez. Voilà, le petit 7-Eleven où on va toujours faire des petites courses, même si là maintenant on n'a plus besoin. Voilà. Et du coup on va passer quand même. Hop, hop. Voilà, les petits sandwichs. Les petits sandwichs qu'on mangeait très régulièrement tous les soirs. Et plein de bonnes choses, pas très chères, pour vraiment se faire plaisir. Voilà. Et voilà les gens, donc de retour à l'hôtel. Putain, mais dégage-moi avec ton plastique et ta boîte de merde. Donc de retour à l'hôtel pour pouvoir vous montrer. Mais regardez, il me jette sa boîte là. Donc pour pouvoir vous montrer mes achats du jour à Kyoto, premiers achats à Kyoto. Donc comme dit, nous sommes passés au fameux on est passé à un premier book-off où il n'y avait rien d'intéressant. Puis à la suite nous sommes allés dans un deuxième book-off bien plus intéressant, où du coup je me suis simplement acheté plusieurs tomes là du fameux manga. Vous savez le fameux manga que j'ai acheté là à Tokyo en allant vers Asakusa, où vraiment j'ai grave kiffé parce que c'est un Eiichi plus qui a vraiment un délire qui se rapproche beaucoup de Kentaro Yabuki au niveau des dessins et de la façon de montrer certaines parties du corps. Et bien voilà, j'ai vraiment kiffé le tome que j'ai pris la dernière fois. Donc là j'ai pris tout simplement ben, les autres tomes qui manquaient. Donc j'ai pris le tome 1. Ensuite après ils avaient le tome 2. Donc du coup ben, j'ai pris le tome 2. J'ai pris le tome 5. Le tome 6. Le 9. Et le 10 juste ici. Alors oui, ils n'avaient pas tous les tomes. Donc j'ai juste pris ce qu'ils avaient. Et après ben, c'est amplement suffisant. Hein. C'est vraiment juste. Voilà. C'est en japonais, donc c'est vraiment juste pour admirer les dessins et tout. Et après sinon moi je lis la version française en scan tout simplement en ligne. Mais voilà, vu que c'était vraiment 110 yens le tome, ça veut dire, allez, 60 centimes, même pas, 60 centimes et quelques, bah, voilà, c'est donné, hein, c'est donné, ils sont propres, ils sont cool, enfin voilà. J'ai trouvé, enfin, des mangas Charlotte, parce que c'est vrai que j'ai oublié, je sais pas, j'ai dû le ranger quelque part, mais je l'ai pas vu. Je me suis déjà acheté le tome 5 de Charlotte au Mandarake de Akihabara, mais je voulais pas montrer en vidéo parce que bah, j'ai zappé de le montrer, et comme dit, bah, une fois que j'avais fini la vidéo, bah, j'y ai repensé, mais c'était trop tard. Mais voilà, je vous mettrai une petite image. Je me suis déjà acheté le tome 5 de Charlotte. J'avais déjà à la maison le tome 1 et 2 que je me suis acheté il y a très longtemps de cela. Et donc là, ben, je cherchais les tomes qui me manquaient. Et j'ai enfin trouvé des tomes manquants. Donc le tome 3 qui est juste ici avec le fameux épisode baseball et tout machin pour 550 yens. Et le tome 4 juste ici avec Ayumi et compagnie. Et la petite scène de bain derrière qui est très sympathique. Et qui d'ailleurs me dit ben, pas grand chose. J'ai pas de souvenir d'une scène de bain avec Nao et Yusarin, donc à voir du coup en manga ce que ça peut donner, parce que c'est très très sympathique du coup. Et ensuite j'ai trouvé là aussi super cool une petite figurine acrylique, pour pas changer, un figurine acrylique de notre ami Miko Ino de Kaguya-sama Love Is War, mon personnage préféré de Kaguya-sama Love Is War. Donc voilà, quand je l'ai vu je me suis dit bah trop cool, mais du coup voilà, Miko très sympa pour 1100 yens, je me suis dit vas-y let's go, ça fait plaisir. Et du coup après là dans la dernière boutique où on est allé, il y avait le Animate, et là trop bien vraiment, je me suis trouvé des figurines acryliques de notre ami Demon Slave, et donc là mon personnage préféré principal de Demon Slave, Yashiro, qui est juste là, voilà, notre petit Yashiro, et du coup sa sœur Imari, sa petite sœur juste ici. Et voilà, j'ai eu les deux figurines acryliques du coup des deux sœurs de Demon Slave. Et donc voilà, là aussi c'est très 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 rare de trouver des items Demon Slave, pour vous dire, on a quasiment trouvé aucun depuis le début du voyage, même à Tokyo, même à Akihabara. Alors ils doivent sûrement y en avoir, ça c'est sûr, mais comme d'habitude, il faut les trouver, il faut aller dans la bonne boutique. Et même ceux-là, c'est à la dernière minute avant qu'on parte que je suis tombé dessus au pif. Elles étaient vraiment planquées dans un coin. Donc voilà,
très 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 content d'avoir ces deux petites figurines acryliques. Et puis ben voilà, écoutez les gens, c'est tout pour cette première après-midi à Kyoto, mine de rien. On a fait beaucoup de choses, on dirait qu'on a fait limite une journée entière, et pourtant ce n'est pas le cas. Et ça c'est bon signe, ça veut dire que vraiment on a bien optimisé notre temps, on a bien profité comme il fallait, malgré qu'on était que une après-midi de 15h à 21h à Kyoto. Et moi écoutez, ben, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure à Nara du coup. Tchuss.